Salut les gars, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment faire ce secret holo. Et c'est parti. Là en fait, vous allez avoir des sortes de boules comme ça et faudra en fait à chaque fois faut genre s'arrêter. Après tu sautes, t'avances, tu arrêtes, tu sautes et tu avances. Et là il y a la pièce comme ça. Là en fait c'est un point où en fait avec ton poids bah ça tombe et il y a des boules. Là ça va être simple, faut juste faire ça comme ça là. Des petits trucs simples comme ça. Et là maman vous allez être dans une cage. Et un monstre en fait il va venir vous prendre et après vous allez déposer quelque part. Là vous allez casser en sautant et après vous allez faire les petits trucs là, simples. Comme si vous étiez dans Mario. Et là faudra appuyer sur je sais pas le truc rouge. Et ça va faire tomber une boîte et voilà comme ça vous avancez. Là ça faut faire attention parce que en fait c'est j'ai oublié le nom de prof. Là il y a une pièce qui est à droite ici là, mais je crois que je vous ai montré la pièce une autre pièce là où il y a les boules. Et là vous allez dans la machine et vous allez devenir des sortes de juste pas mort les sortes de ronds et genre en fait à chaque fois que vous appuyez bah genre la gravité elle est inverse pour vous, genre en fait ça tient et là vous allez rappuyer parce que avec les deux pancartes là en fait c'est comme dans Pac-Man mais sauf que là je vous aide pour speedrun. Donc vous passez comme ça là ça va être compliqué parce que ça va être encore les boules parce que j'aime bien plus les boules. Et en fait à chaque fois vous devrez prendre des clés pour ouvrir des sortes de portes, ce sont pas des portes mais bon. Et là c'est parti en fait pour le boss. Là en fait j'ai avancé le truc pour vous. Et vous allez affronter The Cursed Thorn. Et en fait, il lance des boules de feu. Et en fait, à un moment, ça va être une boule verte. Et il faudra y aller sur le truc. Je sais pas c'est quoi là, sur la sorte d'arme. Mais de plus en plus vous l'attaquez, plus ça va être dur. Comme là. Je viens d'attaquer deux fois. Là, il s'est énervé. Un peu. Et là, il lance plus rapidement ses boules. Mais ça va être plus simple comme ça. Il va pas esquiver. Quand tu vas l'attaquer, hop là, comme ça vite. Regarde, là, tout à l'heure, il va s'énerver quand je vais lancer la troisième, je crois. Et voilà, quand je vais lancer la troisième. Et là, c'est genre sorte de laser, de feu, un laser qui va lancer. Et genre là, il bouge contrairement à tout à l'heure là. Et là, ça va être après, ça va être différent. Regarde là, ça va être plus différent. Il va sauter et genre il faudra faire ça quand il faudra sauter un moment quand il y a les trucs rouges qui vont venir parce que c'est un peu logique, c'est pas trop bien. En fait, là je suis mort mais genre vous savez très bien que c'est comme ça. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Au revoir.